Salut ma Lolo. Coucou. Alors, quelle facette aujourd'hui? Eh bien, je me disais qu'après la passionnée, on pourrait explorer l'Amazone. L'Amazone. Je crois qu'elle a un super ustensile pour l'Amazone. Oui, mais je ne coupe pas de ça hein, aujourd'hui. Non, non. Tant ni demain du reste. Hein. Alors, attends. T'es sûr que tu sais tirer avec ce truc-là? Alors, l'Amazone. Je vais me prendre la couverture, je le sens. L'Amazone dirige sa vie à sa façon en toute indépendance. Elle est prête à se battre pour sa liberté et à défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Oui. Tout en défendant farouchement sa liberté, elle a également l'esprit de tribu. Elle sait réunir autour d'elle d'autres femmes pour les rallier à sa cause. Son défi, être tendre avec elle et avec les autres et savoir déposer les armes. Oui. Sinon, c'est un peu fatigant. Parce que déposer les armes, une fois qu'on a déposé les armes, on se rend compte qu'en fait, on est tout de même en sécurité. Il n'y a pas besoin de garder les armes tout le temps, tout le temps. Alors aujourd'hui, pour explorer l'Amazone, vous n'avez pas besoin de vous mettre au tir à l'arc. Non. Voilà. En fait, je voudrais vous proposer de réfléchir et de lister les causes qui vous tiennent à cœur. Vraiment les choses qui vous touchent, pour qui vous seriez prêt à vraiment, comment dire, à faire une manifestation, à faire l'Amazone, quoi, ouais, finalement. À écrire un texte, à le dévoiler, voilà. Diffuser. Donc du coup, listez ces causes qui vous tiennent à cœur. Et puis voyez si vous pouvez faire un premier pas concret pour défendre cette cause, une cause en particulier, par exemple, choisissez une cause dans votre liste. Ça peut être justement, comme tu disais, écrire un texte, et si vous n'avez pas de blog, bah, publiez-le sur Facebook. Osez porter cette cause hein, qui vous touche. Voilà. À la vue de tous, ouais. Voilà, osez être l'Amazone. Et puis réfléchissez aussi au fait que de déposer les armes, là, juste à l'entrée, vous permet d'être beaucoup plus apaisé. Et en accord avec vous aussi, et en sécurité. Mmh. C'est important. Ouais. Bon, en attendant, j'emprunterai bien quand même ton marque. Attends. Bon, alors, on vous dit à demain, puis n'hésitez pas à partager, puis si vous écrivez des textes, vous nous les envoyez. Mmh. Attention. Là, je pense que